Salut, c'est MJK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui spéciale revue. Donc on va découvrir ensemble un produit qui est en train d'arriver sur le marché européen. Donc c'est le DBX 560A. Donc le DBX 560A, c'est tout simplement le format 500 du DBX 160A, compresseur légendaire qu'on ne présente plus, qui est un véritable couteau suisse à la fois studio et scène. Donc qui arrive en grand renfort sur le marché européen, comme j'ai pu le constater depuis un mois ou deux. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo où je vais tout simplement vous faire une revue du produit. Donc comme je le disais, c'est tout simplement le DBX 160A au format 500. Donc au format 500, c'est ce qui vous permet de le mettre dans des lunchbox, hein. Ce sont les petits formats donc en 3 unités qui sont utilisés par exemple pour les consoles SSL. Donc il s'agit d'un compresseur de type VCA, donc un compresseur audio comme vous pouvez vous en douter. Je ne vais pas refaire un cours sur la compression et les types de compresseurs. Je vous invite plutôt à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Logic où j'expliquais les compresseurs de Logic. Je vous la mets bien évidemment à l'écran. Cette vidéo vous expliquera aussi les différents types de compresseurs. Voilà. Donc comme je disais, il s'agit d'un compresseur de type VCA, donc volume contrôlé d'amplifier. Donc c'est un petit couteau suisse, c'est un vrai. Ce compresseur, il est capable de tout faire. Donc moi, je vais vous faire une petite démo, bien évidemment, mais d'abord, je vais tout simplement vous présenter le produit donc, et ses fonctions. Donc on va commencer tout simplement par le haut et on va descendre vers le bas. Donc pour commencer, vous aurez tout simplement des diodes, donc des LED qui vont vous permettre de voir quand le compresseur agit. Donc quand vous êtes en below, ça veut dire que vous êtes avant compression, qu'il n'y a pas de compression, donc il ne se passe rien. Quand vous êtes en over-easy, le milieu là, c'est quand vous êtes en over-easy, c'est la compression automatique. On y viendra tout à l'heure. Et ensuite, vous avez donc la petite LED rouge qui sera la LED tout simplement above. Donc ça veut dire le compresseur est en action. Donc ensuite, vous avez en dessous le bouton Over Easy. Donc ce bouton, c'est pour ça que le DBX est un peu un couteau suisse. C'est à cause de cette petite fonction. Cette fonction va tout simplement vous permettre soit de passer si vous l'enclenchez en compression, donc Over Easy, c'est-à-dire en compression automatique. Donc il va faire plus ou moins le travail tout seul. Sinon, vous pouvez passer en compression manuelle pour pouvoir ajuster votre compression plus à l'oreille, plus à l'écoute si vous avez l'habitude de manier des compresseurs. Voilà, donc une fonction bien pratique Over Easy, donc qui permet tout simplement de passer en compression manuelle ou en compression automatique. Donc en dessous, pardon, on a le traditionnel threshold. Donc tout simplement, c'est le bouton qui va vous permettre de décider le seuil de déclenchement du compresseur. Je m'explique. Donc si par exemple vous mettez à 0 dB ou par exemple à moins 10, on va le laisser comme ça, voilà, moi je mets à moins 10 dB. Dès que le son va rentrer donc dans le compresseur, quand vous allez dépasser le seuil de moins 10 dB, donc au-dessus, moins 9, moins 6, etc., votre compresseur va se déclencher et commencer à compresser. Donc c'est tout simplement le volume, le seuil de volume que vous décidez pour déclencher votre compresseur. Donc si vous mettez à moins 10 dB, à moins 10, à partir de moins 10 dB, votre compresseur commencera à travailler. Voilà, donc on appelle ça le threshold. Donc ensuite vous avez le petit bouton bleu au milieu donc qui est le bouton qui vous permet de donner le ratio de compression, donc le taux de compression, le ratio donc qui part de 1 pour 1, il va jusqu'à 1 pour 1 pour le taux infini. Donc qui commence à 1 juste ici. Et donc c'est ici que vous allez tout simplement choisir votre ratio de compression. Donc j'explique qu'est-ce que le ratio. Tout simplement, par exemple, si moi je mets 4 pour 1. Donc quand vous allez compresser votre son, quand il y aura 4 dB, par exemple 4 dB compressés, en sortie, vous n'aurez plus qu'un dB. Donc c'est tout simplement pour 4 dB entrant et compressé, vous aurez 1 dB en sortie. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le ratio, le taux de ratio de compression. Et en dessous, vous allez tout simplement avoir un gain d'output qui va vous permettre de réajuster votre volume, votre gain donc, de sortie après compression. En dessous, on va tout simplement ensuite avoir le bouton de bypass, donc, qui vous permettra d'activer ou de désactiver la compression. Bien évidemment, quand vous allez bypasser, le son continuera à passer dans le compresseur. Le son ne sera pas traité, mais vous continuerez à entendre le son à l'oreille. Donc, le signal continue à passer. Traité ou non, il continue à passer. C'est juste que c'est quand vous activez votre bypass, votre signal ne sera plus compressé. Donc, vous aurez votre signal original. Voilà, et donc ensuite vous allez avoir à côté le petit bouton de level. Donc ce bouton va tout simplement donc il se trouve juste ici, il va tout simplement vous permettre de contrôler votre volume d'entrée, votre volume de sortie, donc input à output. Et donc avec les LED en rappel ici, donc vous allez avoir les LED qui vont vous permettre, donc la grande colonne ici, jaune et rouge, va vous permettre tout simplement de contrôler c'est un vue-mètre, hein, donc ça va vous permettre de contrôler votre volume, à la fois entrant et sorti, donc le gain de votre signal.
Et à côté, donc les petites LED en rouge, c'est tout simplement le gain de réduction, ça va vous permettre de voir comment votre compresseur travaille. Voilà pour le tour de façade donc du produit. En ce qui concerne la face arrière, comme vous vous en doutez, c'est un format 500, donc derrière il y a juste une prise, une espèce de fiche un peu comme les cartes graphiques que vous enclenchez dans votre boîtier. Donc moi, comme on peut voir à l'écran, j'en utilise deux. J'ai une paire de 560A car j'utilise aussi en compression stéréo et je l'utilise aussi pour un peu de master pour me faire un peu une idée avant d'envoyer mes sons au mastering en studio. Donc comme je disais, voilà grosso modo pour le tour de la bête. Donc ensuite, on va tout simplement maintenant faire un petit essai pour les voir en fonctionnement. Voilà, donc comme vous pouvez voir à l'écran maintenant, je vous ai mis donc mon ordinateur, donc je vous ai mis l'écran de mon ordi. Et on va tout simplement écouter une guitare qu'on va ensuite compresser. Donc moi j'ai la guitare qui se trouve ici, donc c'est une guitare que j'ai enregistrée avec mon collègue. Et je vais la faire ressortir donc après avoir fait des effets bien évidemment. Je vais la faire ressortir donc sur ma Focusrite. Donc j'ai une Focusrite Scarlett 1820. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Voilà, je vous fais un petit tour. Voilà, comme vous pouvez voir, donc je suis sorti donc de ma piste numéro 5 ici. Voilà, donc le câble rouge, je vais essayer de vous mettre encore un petit peu plus d'images. Voilà. Donc le câble rouge ici, je sors donc en 5, je rentre dans mon DBX, donc dans le numéro 1. Et je ressors ici pour rentrer en 7 dans ma Scarlett. Voilà. Voilà, donc je vais à présent envoyer tout simplement la guitare et on va voir le compresseur en fonctionnement. Voilà, donc comme on peut constater, on n'a pas une grosse différence entre la compression et la non-compression du signal, bien évidemment. Mais en l'occurrence, on pourra constater qu'on a quand même un signal qui est ensuite beaucoup plus droit, donc qui a tendance à avoir moins de dynamique. Donc pour rappel, la dynamique, ça va être les points les plus hauts et les plus bas au niveau du volume sur vos spectres. Quand vous regardez un spectre, donc votre spectre ici sur votre logiciel, vous avez des crêtes qui sont basses, qui sont hautes, des espèces de bosses. Des dents de scie si vous préférez, c'est tout simplement la dynamique de votre signal. Et le compresseur agit sur cette dynamique afin de la réduire pour que vous n'ayez pas un son qui se promène d'avant en arrière, au niveau du volume tout simplement. Donc pour précision, c'est une guitare qui avait été enregistrée déjà un peu compressée à la prise d'enregistrement. Donc elle était déjà plus ou moins assez droite, mais comme là j'avais mis quelques effets, en général je traite mes effets et je refais un enregistrement derrière avec une compression. Pour figer et surtout pour avoir le son définitif. Donc comme je disais précédemment, c'est des compresseurs qui sont c'est vraiment un vrai petit couteau suisse de la compression. Il peut autant compresser une voix que n'importe quel instrument. Il est assez simple d'utilisation, comme je disais, avec la fonction Over Easy, donc la fonction de compression automatique, permet à des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec un compresseur de très rapidement obtenir ce qu'ils veulent. Voilà, c'était MJK pour cette petite revue. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a découvert ensemble le DBX 560A. Donc, tout simplement, le DBX 160A au format 500, donc, qui fait son apparition sur le marché européen depuis quelques mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.